Debimu, localité située à 5 km de Dabou, a connu une ambiance particulière ce week-end. Et pour cause, la génération Mbédié lançait ses activités. Au menu, danse du terroir et prestations d'artistes. L'occasion a été donnée au président du comité d'organisation, porte-parole de la génération, d'égrener quelques actions menées dans le village. Accompagné d'une forte délégation du Gontougo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kwasi Kubena Adjoumani, patron de la cérémonie, a rendu hommage à Vincent Louis Oble, cadre et acteur de développement de Debimu, avant d'exhorter les jeunes à cultiver la paix et la cohésion. Nous saluons l'ambiance mobilisatrice des populations et leur souhait d'aller à la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas développer un village. Nous avons posé des actes pour que les populations elles-mêmes se rendent compte que les politiciens ne doivent plus les utiliser. Leur souhait, c'est d'aller au développement. Continuer avec le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État Kwasi Kubena Adjoumani a mis à profit sa présence à Debimu pour poser la première pierre du deuxième bâtiment, la maternité du centre de santé urbain. Nous avons posé la première pierre du pavillon de l'hôpital de Debimu. Vous voyez dans quel état se trouve cet hôpital. Et il est de notre devoir aussi de rendre compte au ministre de tutelle pour que quelque chose soit fait dans ce village. En sa qualité de ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kwasi Kubena Adjoumani a conseillé aux populations de ne pas détruire les plantations de veillards.